Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous que j'ai créée pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi apprendre des choses, ça peut vous aider à être plus heureux dans la vie. Bon, en fait, on voit souvent apprendre des choses comme une corvée, mais on devrait plutôt changer notre perception d'apprendre et de voir ça comme un boost à notre bonheur. Pourquoi je vous explique, c'est que premièrement, bon, vous faites exercer votre cerveau, ce qui est très bon pour la santé mentale. Ensuite, bien, vous avez confiance en vous. Vous êtes fier de vous quand vous apprenez des choses. Vous avez le sentiment du devoir accompli. Vous êtes plus intéressant envers les autres. Je vous raconte mon père depuis que je suis toute petite, que je le vois lire des magazines comme le National Geographic, des livres, les nouvelles. Et mon père s'instruit constamment. Et quand j'étais adolescente, il était hôtelier. Et tout le monde venait voir mon père. Tout le monde aimait mon père. Pourquoi? Parce que mon père avait tellement de choses à dire et à raconter. Il est au courant de tout. C'est le fun de rencontrer des gens qui sont cultivés, qui savent des choses. Donc, vous êtes plus intéressant envers les autres. Je vous dirais même qu'à un moment donné, même mes amis, je suis pas une personne jalouse. J'étais pas jalouse de mon père, là. Au contraire, j'étais fière. Mais j'aurais pu être jalouse de lui parce que, bon, les gens, finalement, je me disais, même mes amis, ils préféraient être presque être avec mon père qu'être avec moi. Donc, oui, vous attirez l'admiration des gens quand vous savez faire des choses. Mon fils, quand il était adolescent, j'avais une chasse de toilette qui fonctionnait pas. J'ai dit, fils, va voir ça, essaie de l'arranger parce qu'un jour, tu auras une blonde. Et si tu veux que ta blonde t'admire, il faut que tu saches faire des choses. Donc, c'est important d'apprendre à faire des choses. Et aujourd'hui, les ressources sont infinies. Vous avez YouTube si vous voulez réparer quelque chose. Les gens vous donnent des conseils, vous montrent comment tout faire gratuitement. Il y a des documentaires, il y a Netflix. Vous pouvez lire des livres, des biographies. Vous pouvez regarder des émissions intéressantes comme j'aime beaucoup Tout le monde en parle. Il y a toujours des gens qui sont inspirants, qui ont fait des choses dans leur vie. Vous pouvez regarder des émissions comme Secrets d'histoire à Télé 5. C'est super intéressant, enrichissant. Vous êtes fiers de vous quand vous apprenez des choses. Et aussi, la dernière chose, vous restez jeune. Selon moi, c'est le secret de la jeunesse éternelle. Quand vous apprenez des choses, pensez à un enfant qui s'émerveille quand il découvre plein de choses. Et dans le monde, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses fascinantes. Pourquoi perdre son temps sur des réseaux sociaux quand on peut s'enrichir et apprendre des choses? Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas de les partager avec nous au bas de la page. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite, s'il vous plaît, à cliquer sur « J'aime », à me partager et à vous abonner à ma chaîne Filou pour vous. Et ça me fera plaisir de vous revoir pour un autre petit truc de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye!